Les Français étaient une entité abstraite, je n'arrivais jamais à les imaginer. J'avais hâte de les voir pour découvrir comment ils étaient faits. Une vieille légende disait qu'ils avaient une crête de coq sur la tête et des pinces de crabe en guise de pied. Très bon musicien, on adore la musique arabe-andalouse et là on a quand même le sommet. Oui, ça me plaît, je connais cette musique, j'en réécoute pour la 100e fois ou la 200e ou je ne sais combien de millième de fois. Un moment de voyage à travers la musique. J'étais vraiment emballé. Ah oui, oui, c'était fantastique. On a commencé le 1er avril avec une exposition à l'aéroport de Montpellier parce que l'idée c'est d'investir des lieux, bien sûr le domaine d'eau qui est quand même la base et le premier des lieux qu'on a investi à Montpellier, mais l'idée c'était de s'adresser à plusieurs publics. L'idée c'est d'aller aussi à l'opéra comédie par exemple. L'idée c'est d'être au centre-ville, on a pu faire une chasse au trésor, toucher également des familles, toucher des personnes qui n'ont pas peut-être l'habitude d'aller au domaine d'eau. Et donc on multiplie les lieux, on investit de plus en plus d'endroits, on cherche des lieux aussi insolites parce que c'est vrai qu'amener la culture dans un aéroport, c'est pas quelque chose de si évident que ça. Cet ogre avait une maison dans la montagne. Chaque fois qu'il avait faim, c'était très simple. Il s'est déguisé en un beau jeune homme. Il prenait des cadeaux, il prenait des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. C'est ce que les femmes aiment en général. Jeunesse en arabesque, c'est un volet du festival arabesque qui est pour nous primordial. L'avenir, c'est eux. L'avenir, ce sont les jeunes. Et plus on leur donnera des clés pour comprendre ce monde, et plus on en fera des citoyens responsables qui prendront soin à la fois de l'humanité et de la planète. Au tout début du festival, donc, le public scolaire a eu aussi la possibilité de participer à ce fabuleux jeu de piste, un parcours au centre-ville de Montpellier, à la recherche du trésor d'Hicham Landalou. Mais en fait, le public à la fois découvrait Montpellier, parce que malheureusement, il y a pas mal d'enfants qui ne s'aventurent pas dans le vieux Montpellier, mais en même temps, découvrir le lien qu'a eu Montpellier avec le monde arabe en l'an 1000.
Donc il y a des écoles primaires, des collèges, même des lycées qui ont participé le 13 mai à ce parcours. Il faut savoir que ce festival dédie toute une journée au public scolaire sous deux formes. Une forme création, donc un public scolaire qui travaille toute l'année sur la création artistique qu'il présente pendant le festival. Cette année, l'Orient merveilleux. Donc les collèges, enfin les élèves, ont choisi de travailler sur les maisons de la sagesse. J'ai dit, je voulais sortir du cadre. Se chargera de te remettre dardard dans ton cadre. Je travaille sur le projet des coulisses solidaires, la remobilisation par la culture. Ça s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans que nous on accueille sur un programme qu'on a travaillé. Donc il se présente une première période où on travaille sur la question du jeune. Donc on a appelé ça apprendre sur soi. Donc le jeune vient participer autour de la culture urbaine parce qu'on a des ateliers notamment d'écriture avec des animateurs spécialisés. L'idée c'est pas de faire des textes de rap pour faire des textes de rap, mais c'est de se servir de ce support pour réfléchir à la question de son parcours. Il y a un temps où moi je reçois les jeunes sur des temps d'entretien. Il y a une deuxième période qui s'appelle apprendre des autres. Participation des jeunes sur le festival arabesque. Donc l'idée c'est par le biais de la culture d'être intégré sur des actions, des événements et surtout au-delà de participer à la logistique, de voir tous les corps de métier liés à la culture qui peuvent éventuellement les intéresser. Et une troisième partie, donc la partie se réaliser, où là cette fois-ci on va un peu plus loin dans la question du projet qui a émergé des deux premières périodes, c'est-à-dire qu'on met le jeune en situation de stage. Aujourd'hui on a près de 100 bénévoles, même plus, qui s'investissent sur le festival et sans eux, ben, il n'y aurait pas de festival. On a besoin de ces forces vives pour pouvoir accueillir le public, pour pouvoir accueillir les artistes. Je les remercie parce qu'ils font un travail qui est formidable, ils s'investissent et ils s'investissent à un niveau qui est professionnel. Je donne rendez-vous l'année prochaine. Il faut continuer à faire circuler le téléphone arabe. Parlez-en à vos amis qui en parleront à leurs amis, qui eux en parleront à leurs amis. C'est important pour nous. Plus vous êtes nombreux, et plus on continuera. A force, winged, we know it.